Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Channel Land. Jeudi, on va prêter pour notre partie 2 de BoxyCharm Unboxing Haul pour nous. Ça, c'est boîte de base là. Donc, moi, j'ai recevoir hier ou bien avant hier. Moi, j'ai fait un petit coup de la dame de qui s'arrête hier. En vérité, tout produit qu'il a dans yo, moi, pas connaît yo. Yo, nous deux, mon content non yo, but c'est pour dire que je suis pas trop familier ensemble avec eux, donc ça vraiment fait qu'elle me contente parce que là, on sent mon temps comme qui aime mes maquillages, qui aime mes soins pour la clé introduire un nouveau produit. Oh, qu'on est qui bon tout. Oh my god. Ok, donc, montrez-nous comme d'habitude. Mais qui j'en boîte l'en fait. Et puis, il est toujours venu avec un petit code qui décrit tout le produit, qui va prix sur le marché et puis qui sa produit au fait. Le premier produit qu'il a donné, c'est le Saturday Skin Yuzu Vitamin C Bright Eye Cream. Et donc, apparemment, ça son crème pour passer en bas yeux qui supposé tant pour aider retirer apparence, gain ligne en bas yeux. Il y a une vitamine C là-dedans qui est très bon pour peau, pour besoin de pile vitamine C. Alors, donc c'est pour ça. Mark Saley Saturday Skin. Quand tu as des paroles, il même pas aucun produit de Mark ça. Alors, nous sommes qui toujours à la recherche de bons eye cream, tant pour l'arrivée d'un certain âge, on suppose commencer par ces crèmes en bas yeux. 30 ans pas loin arrivé, ok, dans 9 mois, 30 ans m'pral rentrer dans 30 ans moins. Donc, à partir de 24-25 ans, on suppose commencer par ces petits crèmes en bas yeux, parce que prévention plus bon que problème dans nous comprendre. Donc les pieds vont vous commencer à préparer tête ou pour bien faire ça au lieu que autant de c'est loin c'est là où commencer un petit pli en bas ou chercher pas son petit crème. Non, c'est des pieds kounia pour commencer à faire. Produit Saturday Skin, ça arrive en $32 sur le marché, $32 américains. Deuxième produit, je vais montrer nous, c'est les OPV Beauty Loose Setting Powder. Moi, ça, moi, pas connais du tout, je ne suis pas content de parler de lui du tout. C'est la première fois que je lis, ok, même boîte là, belle présentation, très simple, OPV London. Je ne connais pas si London, est-ce que ça veut dire c'est Angleterre? Est-ce que c'est en Angleterre? Donc, je ne connais pas. Les mafias recherche sur les maconnais. Alors, mes gens, boîte là, vous voyez couleur médium. Ben, moi, son pour de l'oublier. Moi, souhaiter que l'image avec couleur pour moi. Parce que je peux rejoindre un pour de libre que BoxyCharm voyait ben, moi qui a là avec moi. Soit pour de libre en trop foncé, soit pour de libre en trop clair. Donc, vraiment souhaiter et espérer que pour de libre ça après là avec moi. Donc, pour de libre ça, il est supposé matifiant. Donc, il est supposé mat. Ou capable de mettre li pour faire baking en bas ou bien pour set foundation ou. Alors j'aime dire non moi espère que li a fait bien que li a manché li gon petit teint jaune qui fait me songer pour de lip de Huda Beauty en que me gagner. Alors moi espérer que me capable utiliser li pour lip ça vend $22 sur le marché que me pense qui assez raisonnable puis faut pour li moi utiliser yo entre les $22 jusqu'à $40 dépendamment de marque là. Donc, je pense que ça c'est très raisonnable pour un gros coup de libre ça pour le vendre $22. Troisième produit que je vais montrer, c'est le Clan Yensa. Et puis, le produit, vous voyez vraiment le Toner Primer Essential Glow. Donc, c'est un primer qui tout gagne en toner la dernière. Donc, pretty much, les supposés donc fermer pour yo faire pour yo puis fermer et puis au coin un primer, c'est le premier bagage de base vous mettez sur le visage ou avant maquiller. Donc, par contre, je n'ai pas parlé de moi que ça du tout. Donc, moi, j'essaierai, enfin, que m'a essayé d'utiliser les que la bon résultat. Bien entendu, je vais sur le website, je vais regarder les reviews. Produit, ça vend $35 américains sur le marché. Donc, primer qui, on primer pour le, on primer vend $35 américains, mais quand même, dans tête, moi, c'est quelque chose de qualité. Et puis, son produit premium. Là, je me dis, on produit premium, non, en sens, tant qu'on l'a composé de grand mock. Ok? Donc, je vais montrer nous à qui ça ressemblait. Ok, many. Et puis tout un point qui est important, ok, yo dit comme ça que ligue 8 Super Blacks Essence. Ça veut dire que ligue 8 ingrédients là-dedans qui est vraiment important pour soin peau, qui vraiment pour aider pour yo fermer, qui pour vraiment prendre soin pour moi pendant que la prépare des agents pour le capable de maquillage. Donc, moi, je souhaite ça à dire, c'est vrai. Yeah, donc, nous avons entendu parler de ça une fois que moi utilisé et servi ensemble avec lui. Ok, donc l'autre bas m'a montré, c'est un pinceau de maquillage. Produit à relais.
Multitasker 4-in-1 Makeup Brush. Son pinceau de maquillage qui gagne 4, qui est capable de 4 différentes utilisations dans un seul. Un seul pinceau qui est capable de 4 différentes utilisations. Compagnie à Aliyup. Aliyup. Je ne sais pas si je prononce bien, mais maintenant là, Aliyup. Ok, donc moi j'ai essayé d'ouvrir les jambes de regarder à qui ça ressemble. Si vous reconnaissez que j'ai moins capable d'utiliser pinceau ça pour libérer moins 4. Oh, ok. Wow. Ok. Donc, partie ça, son partie Beauty Blender. Donc, vous pouvez prendre l'embasion ensemble avec lui. Ça, vous pouvez prendre ça même, vous pouvez faire contour avec lui. Et puis, bien entendu, vous pouvez capable nettoyer sous-sous, remplir sous-sous avec partie ça. Et puis, faire eyeshadow ensemble avec lui. Donc, soit font un petit make-up look on the go, bien rapide. Parce que ça, c'est un bon bagage pour gagner. Moi j'espère que le vraiment de qualité. OK, pinceau ça vend $28 sur le marché, $28 américain. Encore une fois, ça se compare que bah que j'aime utiliser produit li ni bah j'aime bon d'aller parler de li. Dernier produit qui dans boîte box c'est chum nan, c'est Bali Balm. Bali Balm son compagnie moi content de parler de yo, but m'pa gen aucun produit de yo. Ça vend $23 sur le marché. Ou actuellement, c'est un lip scrub lié. Je t'aime pas si son en tant qu'un balm pour bouche ou. But son lip scrub lié. Oh my god, pineapple, il senti vraiment bon li. Oh my goodness, this is so nice. Il senti bon en pile. Oh my goodness. But pour un lip scrub vend $22 sur le marché, this better be the best lip scrub of my life. $22 pour un lip scrub. Basé en de $5 à $10, $12 à la rigueur pour un lip scrub. Ok. But $22 pour un lip scrub. Donc, moi j'espère que utiliser les lèvres. Regardez. Pour les lèvres, pas jamais décalé encore ou pas jamais y a aucun problème là-dedans. C'était tout ça, moi j'ai gagné dans Base Boxy Charm. Quoi ça, c'est moi. Janvier ou bien mois février, je suis pas sûre. Plus quoi c'est mois février que yoye. Alors, merci. Est-ce que vous regardez moi jusqu'à la fin? Et même pas rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Bye!